Dans le cadre de sa politique RSE, l'entreprise Oberture Fiduciaire s'est intéressée au volet mobilité durable afin de réduire son empreinte carbone et de proposer des solutions à ses collaborateurs. On a d'abord fait un prédiagnostic, donc ça c'était en 2017, pour connaître la répartition géographique de nos salariés et les distances moyennes qu'ils avaient à parcourir. On s'est aperçu qu'on avait 27% de notre population qui y habitait, qui était dans une moyenne de 30 minutes de déplacement à vélo pour venir travailler. On se dit, ben voilà, c'est déjà une population de 30% qu'on va pouvoir adresser. Et puis on avait 42% de la population qui était dans une heure de déplacement à vélo. Donc on se dit, ben c'est aussi un challenge. Après avoir mené une enquête auprès des salariés, l'entreprise décide d'investir dans un espace de stationnement dédié au vélo, mais aussi dans un parc à vélo électrique. Nous avons donc des prises de courant mises à disposition pour les vélos électriques. Nous avons actuellement 11 vélos électriques à disposition que nous prêtons à nos salariés. Ces équipements ont rapidement été plébiscités par les collaborateurs. En moins d'un an, le taux d'utilisation du parc à vélo a atteint 85%. C'est quelque chose qui est vraiment bien parce que ça peut permettre à des gens qui n'ont pas osé encore sauter le pas de pouvoir expérimenter au moins un petit peu le vélo en ville. Pour compléter ce dispositif de prêt de vélo, Oberture Fiduciaire a installé des vestiaires équipés de douches et organise des ateliers à thème autour de la sécurité routière ou de l'entretien des deux roues. Pour mener cette démarche au mieux, l'entreprise a dû investir, s'organiser et surtout embarquer ses collaborateurs. Nous avons mis en place un club ambassadeur. Donc on s'appuie sur des salariés qui sont passionnés par le vélo, par exemple, avec qui on met en place toutes ces actions. Une méthode inspirante et encourageante pour les autres acteurs économiques du territoire. Le fait qu'une entreprise dédie du temps de travail d'un salarié pour organiser un planning de partage de vélos, avec des vélos mis à disposition, vélos électriques mis à disposition gratuitement pour les salariés, c'est un engagement fort de la part de la direction. Ce qui est aussi encourageant, c'est de voir l'ambiance qu'il y a autour de ça. Les personnes se retrouvent sur quelque chose qui est aussi porteur de sens. Pour aller plus loin dans sa démarche, l'entreprise a décidé d'alimenter ses bornes de recharge électrique avec des panneaux solaires.